L'olivier est un arbre magique et riche. Il a toujours été l'objet de vénération. Mais depuis l'Antiquité, autour du bassin méditerranéen, l'olivier est considéré comme un symbole de paix et de fécondité. Une fois pressée, la pulpe du fruit de l'olivier fournit de l'huile d'olive fort appréciée de par le monde pour ses qualités curatives et nutritives. L'extraction de l'huile d'olive se fait selon un processus de plusieurs étapes. Les résidus obtenus lors de cette opération se composent de deux sous-produits, les grignons en matière solide et les margines en matière liquide. L'industrie oléicole algérienne produit 36 000 tonnes d'huile d'olive par an, une production qui génère en moyenne 250 000 tonnes de sous-produits, dont 150 000 tonnes de margine et 100 000 tonnes de grignons. Auparavant, ces sous-produits étaient jetés dans la nature. حنا الكرينيون بكري نظام كنا نرميه للواد نظام لي ديشارج بيبليك لي ديشارج سي بيان زاني المرج تي شوز بي با لي جون ريكوبيري المرج يروح ديريكت اوتوماتيكمون يباس با لي بازان ديكونتاسيون من لي بازان ديكونتاسيون راه ديريكت للواد. Afin de préserver l'environnement, les stations d'essai relevant de l'Institut technique des arbres fruitiers et de la vigne de la wilaya de Skikda et de Béjaïa ont procédé à des expériences pilotes ayant pour objet l'exploitation de ces sous-produits et leur utilisation sur des terres agricoles. Les margines ou les eaux de végétation sont caractérisées par une teneur très élevée en matière organique et minérale en solution. Elles sont très riches aussi en phénol et en potassium, avec une présence moyenne d'azote et de phosphore. L'utilisation en Algérie des margines comme fertilisant est devenue aujourd'hui possible après les expériences pilotes réussies conduites par l'Institut technique des arbres fruitiers et de la vigne avec la contribution des spécialisés. Les premières expériences pilotes d'exploitation de margines ont été conduites à Béjaïa. L'équipe qui a conduit ces expériences en appliquant des normes internationales de la fertilisation de certaines cultures, telles que l'olivier et la vigne, a réalisé des résultats très encourageants dans l'amélioration de la production et l'enrichissement du sol en matière organique et minérale. Leur utilisation peut être étendue sur d'autres cultures annuelles comme le blé et le maïs. Les margines actuellement, nous les épandons sur les terres agricoles. Ici, dans cette station, nous travaillons sur ce projet. Nous sommes à la deuxième année. Nous avons répandu les margines sur des terrains plantés en olivier. Donc, ça ne donne aucun problème. Et les oliviers se portent bien. On a fait des analyses du sol. Il y a un enrichissement du sol sans aucun problème. Et c'est la solution qu'on préconise pour régler le problème des margines. Les résultats obtenus sont un enrichissement du sol en matière organique et minérale, une amélioration de la nutrition de la plante en phosphore et potassium, une amélioration de la production. Les grignons sont les résidus solides formés de pulpes et de noyaux d'olive. Ils contiennent essentiellement 42% de cellulose, 8% de matière azotée et 5% de matière minérale. L'utilisation de cette technique a commencé en 1996 dans la station d'essai dans la wilaya de Béjaïa. Après leur traitement biologique, les grignons sont transformés en produits stables pouvant être utilisés comme amendement du sol. La réalisation du compost de grignons nécessite l'ajout d'un agent structurant, la paille des céréales qui est une matière organique et qui va améliorer la structure du mélange. Sa maturation nécessite une période de 3 à 4 mois, après quoi des tests sont conduits sur des parcelles plantées de vignes et d'autres d'oliviers. Le suivi s'effectue sur le sol, la plante et la production. On a réalisé, comme vous avez vu au niveau de l'aire de compostage, on utilise 50% soit en volume, soit en poids de grignons et 50% de paille. Il y a des résultats préliminaires qui sont obtenus,
qui sont positifs. À chaque fois que la température dépasse 60 degrés, il faudrait retourner ce compost afin de réduire la température. Et en ce qui concerne l'humidité, dès que l'humidité baisse, on doit humidifier avec de l'eau ce compost. L'utilisation marginale des grignons qu'en fertilisant des terres agricoles est une nouvelle technique dans le monde avec beaucoup de perspectives sur l'environnement puisqu'elle contribue à l'amélioration du sol. Cette expérience pilote en Algérie, effectuée avec beaucoup de succès, dans un premier temps dans la station d'essai de Bijaya et celle de Skikda, et compte tenu de son importance, va être par la suite généralisée à toutes les régions dans le but d'améliorer la production des olives en Algérie, aussi pour préserver l'environnement.